Je vous dis bonsoir, 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 mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes sur l'affiche des 63 ans de l'anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. 63 ans d'indépendance du Congo-Brazzaville. Quel est le bilan? Est-ce qu'il est positif en 63 ans? Est-ce que le bilan est négatif? Sachant que celui qui est là, qui est chef d'État aujourd'hui, ça fait pratiquement 40 ans qu'il est là sur les manettes. Quel est son bilan? À lui tout seul, il a déjà effectué pratiquement 40 ans de pouvoir sur les 63 ans. Mesdames et messieurs, quel est le bilan du chef de l'État qui est là depuis pratiquement 40 ans? 63 ans, unité, travail, progrès. C'est du n'importe quoi. Le 15 août, bonne fête de l'indépendance. Pardon. Je vous attends, mesdames et messieurs. L'unité, il n'y a pas d'unité au Congo. Nous ne sommes pas unis. Le travail, personne n'en a. Et pourtant, le chef de l'État fait partie des cofondateurs du PCT, le Parti congolais du travail. Mais ce parti-là ne donne pas du travail. Le Parti congolais du travail. Ce parti congolais qui ne donne pas du travail. Le progrès, lequel? Nous sommes en train de régresser. Nous sommes dans la régression. Il n'y a pas de progrès au Congo depuis 63 ans. Même stagner, nous ne sommes pas en train de stagner, nous sommes en train de régresser, régresser. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de travail au Congo-Brazzaville. L'unité, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on attend de tous ces 63 ans, mesdames et messieurs? Quel est le bilan? C'est de ça que nous allons parler, mesdames et messieurs. Ce sont 3 ans, ça et là, voilà, à ne rien faire. Vert, jaune, rouge. Bon, mesdames et messieurs, voilà, voici ce que nous gagnons en 63 ans. On danse Mopasho, on danse Ndombolo, on danse Bokoko. Voilà l'héritage que nous avons depuis 63 ans. Danser, boire, se saouler la gueule. Faire de la sape ou de la sapologie, voici ce que nous avons gagné en 63 ans. Je n'ai pas de volume. J'ai un problème de son, mais je vous fais. Voilà. J'ai mis les vidéos pour que vous compreniez. Voilà le Congo, 63 ans d'indépendance. C'est le Congo. Et je vais encore chercher une autre image, mesdames et messieurs. Je pense que j'en ai deux. Ne quittez pas. Non, je ne l'ai pas. Oh là là. Non, je n'ai pas l'autre image. Attendez, mesdames et messieurs, je vais essayer de changer de compte. Ne bougez pas, on va le faire ensemble. Je vais essayer de changer le compte. Je vais voir si j'avais envoyé ça ici, sur ce compte-là.
pas sur ce compte-là. Oui, j'essaie de voir si j'envoie ça dans un compte quelque part. Non. Bon. Je suis un peu emmerdé. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Je reviens sur ma page. Ne quittez pas. Voilà, ok, c'est bon. Bon, je n'ai pas de son, mesdames et messieurs. Ne quittez pas, je vais essayer de voir si je peux rattraper ça ici. Excusez-moi. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je vais essayer de voir si je peux rattraper ça ici. Non, il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer, je n'ai pas de son. Voici ce que nous avons gagné. Je reviens sur ça. Voici ce que nous avons gagné, c'est la guerre de la SAP. Elle est là, je n'ai pas le son, mais je vous mets la vidéo. Comme ça, vous allez mettre le son. Voilà. Ce que nous avons gagné en 63 ans d'indépendance, la guerre de la SAP 242. Je suis sapeur aussi, mesdames et messieurs. Voilà, voici ce que nous avons gagné en 63 ans. La danse, la SAP, l'alcool. Voilà. C'est ce que nous savons faire au Congo-Brazzaville, 63 ans d'indépendance. Je n'ai pas de son, mais je vous montre les vidéos que j'ai là. Comme ça, vous pouvez les voir. Voilà ce que nous avons, voici ce que nous gagnons. Voilà, voici ce que nous savons faire. C'est le défilé du 15 août. Nous sommes utilisés comme des marionnettes. Lorsqu'il s'agit du défilé du 15 août, on fait appel aux sapeurs. Et on ne dit jamais non. Pendant ce temps, le Congo est en train de régresser. On est en train de vendre nos terres chez les Rwandais. Et nous sommes en train de défiler pour ceux-là qui sont en train de nous maltraiter. Voilà, on donne l'argent à nos enfants, parce que là, c'est la caméra, on nous encourage pour ça, pour la bêtise. Si on peut considérer que c'est de la bêtise, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore un art. Voilà ce que nous avons, nous, en tant que sudistes, en tant que sapeurs, voilà ce qu'on nous donne comme rôle. Animer la galerie. Je repars. Nous sommes là pour animer la galerie. Voici ce qu'on nous propose. Nous, sapeurs. Pendant ce temps, je le dis et je le répète. Qu'on est en train de vendre, qu'on a vendu nos terrains chez les Rwandais. Par les mêmes dirigeants que nous sommes en train de défiler. Pour eux, pour cette république qui ne nous appartient pas, qui ne nous donne rien, nous sommes en train de faire du spectacle. Et les mbochis se frottent les mains
ba Congo bazoba balinga sap bango na banana bango. Et là, on va nous parler de l'unité nationale. On va nous dire que oui, nous sommes unis. À travers la bêtise, oui. Et là, on donne l'argent pour ce spectacle-là. Pour dire que le Congo va bien alors que le Congo ne va pas bien, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. C'est vrai que, mesdames et messieurs, je suis en deuil. Mais ça fait partie des émotions que nous devrions écarter. Parce que nous avons un combat. On met le deuil de côté. Le deuil, il est dans mon cœur, dans mon corps. Il ne sera pas visible. On met le deuil à côté parce que nous avons un combat. Pour conscientiser. Pour alerter les autres, nous sommes obligés de revenir dans le combat. On met le deuil ailleurs. On le met à côté. On continue le combat, mesdames et messieurs, pour la libération du peuple Congo. Mesdames et messieurs, 63 ans d'indépendance depuis 1960. J'ai écouté l'audio, des audios du général Keteka. Il nous dit quoi? Qu'il est né en 73. Donc, il a 50 ans. Il est né en 73 et le chef de l'État est là depuis 78. Il me semble bien 79. Donc, 6 ans après sa naissance, général Keteka. Il est né en 73 et le chef de l'État est là depuis 78 ou bien 79. Donc, ce qui revient à dire que Général Keteka a aujourd'hui 50 ans. Et son premier président, c'est pas Ngwabi, c'est pas Youlou, c'est pas Marie Ngwabi, c'est pas Yombi, c'est Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, il a 50 ans. Sur ses 50 ans, il n'a connu que deux présidents. Sassou Nguesso 1, Pascal Issouba, et Sassou Nguesso 2. Alors, mesdames et messieurs, sur les 50 ans, le garçon qui était né en 73, s'est encore battu avec le chef de l'État. Puis ce général Keteka était un ninja. Donc, un fils qui est né en 73 s'est battu avec Sassou Nguesso. Parce que lorsqu'il revient au pouvoir, il va mettre en place l'opération Mouebara. Donc le même Sassou va se battre. C'est-à-dire que ces militaires, ces miliciens vont se battre avec un enfant qui était né en 73 lorsque lui il est venu au pouvoir en 79. Ce garçon-là avait 6 ans. Et quelques années plus tard, il s'est battu avec cet enfant-là qui est devenu aujourd'hui un adulte qui a 50 ans. Qui doit aussi avoir des enfants. Donc si Général Keteka a un enfant de 25 ans, cet enfant-là fera encore demain la guerre contre Sassou. C'est-à-dire que l'arrière-petit-fils se battra contre Sassou pour nos terres qui sont en train de vendre là-bas dans nos poules. Alors lorsque nous parlons du tribalisme Mboshi, mesdames et messieurs, vous avez là déjà un cas, général Keteka, né en 73, s'est battu avec Sassou. Aujourd'hui, il a 50 ans, c'est un enfant qui a 25 ans, qui est là-bas au village. Cet enfant-là se battra maintenant contre encore Sassou pour les terres qu'ils sont en train de vendre aux Rwandais. Et ce n'est que lui qui vient nous chercher des problèmes. Ce n'est que lui, cette ethnie-là, de Moshi, qui vient chercher des problèmes dans le sud, plus précisément dans la région de Pôle. Ce n'est que lui et sa tribu et quelques complices Congo. Depuis la nuit des temps, ce n'est jamais nous. Aucun président sudiste
n'a jamais cherché des ennuis dans vos villages du Nord. Personne. Il est où le problème entre les Moshi? Parce que là, ce sont les Moshi qui sont au pouvoir, ce n'est pas les nordistes. Ce sont les Moshi qui sont au pouvoir. C'est un clan. Ce n'est pas les nordistes qui ont vendu chez nous, chez les Rwandais. C'est le père Moshi et son fils Moshi. Et lorsque nous parlons, vous dites que ah bah comment balinga bisoté, mais est-ce que vous avez la place na biso? Je vous donne un exemple concret du général Keteka qui a 50 ans aujourd'hui, qui est né en 73. Et au moment, 5 ans plus tard, le chef de l'État, Sassou, était là. Jusqu'à preuve de congrès, c'est Sassou qui est là. Il s'est battu contre Sassou. Et donc, demain, ce sera son enfant qui se battra contre Sassou. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs? C'est toujours le même individu. Depuis pratiquement un demi-siècle. Tous les gens ont un problème avec les coyotes. Tous les gens ont un problème avec les katangete. Tous les gens ont un problème avec les moussous. C'était Kakabamboshi. Il y a quoi quel problème? Et vous trouvez ça normal que le chef de l'État et son fils viennent vendre chez nous? Sans notre approbation, sans nous demander, sans même consulter les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, on vend nos terres. Parce que nous ne savons pas faire l'agriculture, nous ne sommes pas des agriculteurs, nous. On va aller chercher les Rwandais pour mettre chez nous. Alors, mesdames et messieurs, il y a des gens que j'entendais qui disaient que lorsqu'on a traité le chef de l'État d'idiot par un professeur célèbre, il y en a qui disaient, mais oui, mais aux Zaïrois, aux Zaïrois, aux Zaïrois. Mais mesdames et messieurs, mais entre le Zaïrois, celui que vous appelez le Zaïrois, et le Rwandais, si on les met là, mais moi je veux prendre le Zaïrois, parce que le Zaïrois c'est un frère. Depuis la nuit du temps, celui que vous traitez de Zaïrois, mais ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont nos cousines. Bakongo bazawana na manyanga. Bakambe kekuna. Bayombe kekuna. Yalote ya makadi. Betila bayombo sina kakamweka. Betila bayombo sina mayombe. Zaiko langa langa. Quand il chante les cris sont quoi? C'est pas en Congo? C'est pas en Kikongo? Et les Rwandais, est-ce qu'on les connaît nous? Ceux qui disent que oui, mais je préfère. Mais Rwandais, est-ce que vous êtes Rwandais? Mais la République démocratique du Congo, si aujourd'hui on se bat avec le Zaïrois, l'Ongolais viendra nous séparer. Parce que c'est notre frère. Si aujourd'hui le Zaïrois, comme on dit, se bat avec l'Ongolais, le Congolais de Brazzaville ira séparer parce que c'est ma frère. Mais le Rwandais, c'est vers l'inconnu. Si ce sont les Aérois, comme on dit, qui sont venus acheter chez nous, mais il n'y a pas de problème. Nous aussi, nous avons acheté là-bas aussi. On se connaît, nous sommes un seul peuple. Mais quand on vient vendre nos terres, quand on vend nos terres aux Rwandais, des gens que nous ne connaissons ni Adam ni Dev, ça nous pose un problème. Et pourquoi le chef de l'État et son fils ne vendent pas dans le Nord? Pourquoi seulement chez nous? Et les Betke Zonza, oh non, Betke Zonza. Et là encore, aucun Moshi ne parle. Aucun Moshi ne monte au créneau pour dire que non, ça ne suffit pas comme on l'a ça. Comment on l'a dit ça? Non, on se tait. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un concert ici. Au Congo Brazzaville, le 24 juin passé, on nous a dit quoi? Ezamakamba Mabele. Le conseil de Rogarog, Ezamakamba Mabele. Ça concerne toute la nation. Et Bongo Mabele na biso bazoteka. Là, ça ne concerne pas la nation. Là, c'est fini.
On n'appelle pas l'unité nationale pour dire que non, 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 chef, Makamozo, ça les a bien été. Non. Le concert de Roga Roga, on a appelé à l'unité nationale parce que Zamakamba m'a belé, dit-on, au concert Wana. Et bon, on m'a belé au Bazoteka, Yabisso. M'a belé au Bazo empoisonné, Nadolizi, Yabisso. Vous ne parlez pas. Les Nordistes ne parlent pas. Ils font bloc derrière les mouches. On ose nous parler de l'indépendance, 63 ans. Quelle indépendance? De quelle république? Cette république n'est pas la nôtre. Qu'est-ce que nous avons dans cette république-là? Il n'y a rien. Mais ce qui est bizarre, mesdames et messieurs, moi, j'avais fait. J'avais créé la fête de la SAP. Je regarde la SAP. Je regarde le défilé en tant que sapeur. Ça m'aurait fait plaisir. Mais l'actualité d'aujourd'hui, de tout ce qui se passe, le défilé du 15 août avec les sapeurs-là, ne me plaît pas. Parce que l'actualité n'est pas bonne pour nous. En tant que sapeur, oui, je veux bien. J'ai mis les photos, je vais mettre les vidéos, il n'y a pas de problème. Mais le contexte n'est pas bon. Ce n'est pas la SAP en elle-même que je condamne. C'est parce que nous sommes utilisés comme des chiffons. Et jusqu'à preuve de contraire, depuis l'année passée, j'étais en train de dire, depuis le défilé de l'année passée, j'ai dit que nous sommes utilisés. Car l'Ouindia a dit que le défilé yo-yo. Les sapeurs n'entendent pas. Mais la plupart de ces sapeurs sont sudistes. Défilé. Les mêmes personnes que vous êtes en train de défiler, qui font semblant que nous sommes dans le vivre ensemble. Mais c'est les mêmes qui sont en train de vendre chez nous là-bas. Comment on peut aller défiler et faire plaisir aux bourreaux qui sont en train de nous massacrer? Je suis aussi sapeur comme vous. Mais ce défilé-là, sincèrement, il me reste à la gorge. Le 15 août, on avait demandé un soulèvement. Non, le Congo t'a ma pape. Mais tu vas dans une zone de soulèvement. Ben quoi même si soulèvement qu'elle veut, ben voit na ba inzoa ben. Bo fan da na ba palé na bino, bo tiki na bango république na bango, ba sala défilé na bango. Non, boke, ko beta ba chaussure, boke ko sala ba marche. Alors, les sapeurs, pardon, finalement, vous attendez qui pour qu'ils puissent libérer le Congo? Les autres? Vous attendez que les combattants se battent pour vous? Vous attendez que les indignés se battent pour vous? Vous attendez quoi? Que les réfugiés politiques se battent pour vous? Que les hommes politiques se battent pour vous? Ou bien vous devrez aussi vous battre. Se battre, c'est aussi de respecter aussi les consignes. Quand on dit, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Cette république ne vous donne rien, je vous l'ai déjà dit, je le répète encore. Vous n'avez pas de carte d'identité, vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de bulletin de paie, vous n'avez pas de travail. Cette république ne fera jamais de vous des députés. Ils ne vous donneront rien. Et alors? Il faut se battre avec les autres. Nous devrons dégager les moshis au pouvoir. Il n'y a plus de discours. Je croyais qu'on pouvait dialoguer avec eux. J'étais adepte du dialogue. Je me suis dit qu'on peut dialoguer. Et finalement, je commence à donner raison à ceux qui étaient sur la ligne dure. Les Faye Monnama, les Donald Mangopi. Finalement, je commence à voir que ces jeunes-là avaient raison. La ligne dure. Parce que je commence à voir que avec ce pouvoir-là, avec ces moshis, le dialogue ne passe pas. Ils n'aiment pas le dialogue. Alors, s'ils n'aiment pas le dialogue national, s'ils n'aiment pas la conférence nationale, qu'est-ce qu'ils veulent? La force.
Eh bien, il faut qu'on les dégage. Il faut qu'on les dégage. Quand je parle de Mboshi, je le dis, je le répète. Je ne parle pas de Mboshi qui est au village. Ici, le Mboshi, c'est le Lari Congo qui est dans le PCT. C'est Thierry Mungala. Tout ça, ça fait partie de Mboshi. Donc si on prend le pouvoir, les Thierry Mungala ne vivront plus jamais dans le sud. Il faut bénir le nord. Nabamfouba. Na premier ministre Yabametour Yamovilie. Yannick Kouenna le Nord. Parce que tout ça, ça fait partie de Mboshi. C'est tout ce clan-là. Nababanya Kolela. Les Théodorines, tout ça, c'est pas parce que c'est Lari. Ça ira là-bas. Ça ne sert pas les Lari. Les Longue Kolela, tout ce merdier-là, ça ira au nord. Bakouenguna Bamboshi, ou bien Bakouen exil. Parce que nous ne pourrons plus vivre avec eux. Parce qu'ils sont capables de nous trahir encore. Dans Bakekouenda. Lorsque je parle de Mboshi, je parle de tout. Cette clique-là. Et du PCT. C'est pas seulement les Mboshi seuls qui sont comptables et responsables. Il y a les Lari Congo qui sont vendus à l'intérieur. Il faut Bet Katulbao. Mesdames et messieurs, la géopolitique est en train de changer. Aujourd'hui, même dans le discours du chef de l'État, il a fait un lapsus. Je ne sais pas si c'est un lapsus. Il prétend être maintenant un panafricain. Il prétend maintenant être dans le panafricanisme. Comment il peut parler du panafricanisme si déjà il n'aime pas son propre peuple? Mesdames et messieurs, la donne est en train de changer. 6 est en train de devenir 9. 6 est en train de devenir 9. Ce que je viens de dire, que nous avons aujourd'hui des gens, des pays qui peuvent nous aider maintenant, qui peuvent nous donner les armes. Le Niger peut nous donner les armes maintenant. Le Burkina Faso peut nous donner les armes. La Guinée-Conakry peut nous donner les armes. Le Mali peut nous donner les armes. Centrafrique peut nous donner les armes. Là où hier on n'avait pas des alliés, aujourd'hui nous avons maintenant des alliés de circonstances. On peut maintenant avoir ces armes-là qui nous manquaient parce que tous les pions de la France-Afrique sont en train de tomber et le chef de l'État est en train d'être isolé. Maintenant, oui, on peut avoir les armes. Alors, les nordistes, aujourd'hui le 15 août, on attendait un coup d'État. Non. Ils ne veulent pas faire de coup d'État. Ils veulent conserver le pouvoir. Mais ils se cachent derrière les Mboshi. Ce sont 3 ans, ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir. Et ils ont des généraux. Ils n'arrivent pas à déposer un homme de 80 ans. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Au Libéria, mesdames et messieurs, il y a pratiquement 30 ans de cela, c'est un sergent qui avait fait un coup d'État. Et là, au Burkina Faso, c'est un capitaine. Et chez nous, les généraux, non. Là, pourquoi cette différence? C'est tout simplement que là-bas, le capitaine, il est là, il a dit, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Alors qu'au Congo-Brazzaville, on rentre dans l'armée pour faire une carrière. Pour être riche, pour devenir millionnaire, pour devenir milliardaire. Là-bas, lorsqu'on rentre dans l'armée, c'est pour servir le peuple. La patrie ou la mort. Au Congo, lorsqu'on rentre dans l'armée, c'est pour protéger le chef de l'État. C'est pour être riche. Donc nous avons deux idéologies différentes. Des militaires qui se battent, qui font des coups d'État pour libérer le peuple, et de l'autre côté, des militaires qui sont devenus des millionnaires pour protéger un chef. Alors si on attend d'eux, si réellement les nordistes, comme on le dit, ça fait 63 ans qu'ils sont au pouvoir, pratiquement. Ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir.
À tout moment, s'ils veulent déposer sa soupe, ils peuvent le déposer, mais ils ne veulent pas le déposer. Si réellement que ce n'est pas le bloc nord, pourquoi les Katangais? Pourquoi ceux qui sont à Makwa? Ils ont des généraux. Pourquoi ils ne donnent pas les armes aux sudistes? Pour qu'on dégage les Mboshi. Il y a des gens qui sont nordistes, qui sont des ninja, qui sont des bévillois, qui sont des gens qui sont des noirs. Et avec l'appui, il y a quelques généraux au nord, qui sont des gens sud, qui sont des gens qui sont. Et pourquoi les nordistes ne nous donnent pas les armes? S'ils pensent que réellement que ce n'est pas un bloc nordiste, pourquoi ils ne donnent pas les armes? Ils ont les armes. Les sudistes n'ont pas les armes. Ils en ont. Ils en ont. Au commissariat, il y a que celui qui est sorti de la prison là, comment on l'appelle, Dabira. Il y a une pesobunduki, Betkatul Bamboshi. Si réellement il voulait faire un coup d'état, mais c'est maintenant là. Les conditions sont bonnes pour le dégager. Vous voyez, mesdames et messieurs, comment le bloc nord est en train de nous prendre pour des cons. Il faut Benza Abiao. C'est la raison pour laquelle on met le deuil à côté, mesdames et messieurs, on revient dans le combat. Voilà, vous êtes là, on vous met sur les faits accomplis. Les nordistes ne veulent pas déposer Lumbushi Sassou-Nguesso. Ils veulent le protéger. Parce que là, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison, mesdames et messieurs, que... Ben Bakou, un exemple. Dit-on, regardez de vous-même. Bakoyo me pèdre Pieronga. Dit-on que c'est Sassou. Bakoyo me pèdre Ikoko. Ils ont perdu, c'est avec Katali. Ils ont perdu beaucoup de monde là. Ils ont leur leader en prison. Mokoko. Alors, mesdames, bon, pourquoi maintenant, avec la géopolitique qui est là, quand on regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, mais c'est maintenant qu'il faut dégager Sassou. Mais donc, qu'ils donnent les armes aux sudistes qui n'en ont pas. Ils ont des généraux, ils ont des officiers. Nous n'avons pas de section. Nous avons des jeunes qui peuvent combattre. Il y a des mercenaires partout maintenant. Mbouba, il a l'argent. Mais qui donne l'argent maintenant pour financer la révolution? Tati Mabiala, il a l'argent. Bapes Mbongo, c'est pas le Baba Kwenda, n'exil. Bapes Mbongo, bras financé. Mais Baba mercenaire. Le premier ministre, il y a un Pes Mbongo. Thierry Mungana Pes Mbongo. Et vous verrez que, au bout d'une semaine, peut-être à tout le bas. Mais c'est pas ce que veulent les nordistes, mesdames et messieurs. C'est pas ce qu'ils veulent. Donc, Bissou Benet Beto, et le défilé, nous partons. Alors que la géopolitique est là, ou bien normalement, il fallait le déposer. Il fallait le déposer aujourd'hui. Il faut déposer Sassou. Maintenant, si les nordistes ne veulent pas le déposer, mesdames et messieurs, nous avons maintenant le Mali, nous avons le Niger, nous avons le Burkina Faso, nous avons maintenant Centrafrique. Et nous avons la Guinée-Conakry maintenant, ces cinq pays-là, avec le temps, c'est pas voir de bien. Ils peuvent nous aider à dégager Sassou. Ou bien, Moine Yandi. Ça y est en train de
de se fissurer. Et ça signifie que si demain il laisse le pouvoir, il n'ira pas au Niger, Sassou. Il n'ira pas au Burkina Faso. Il n'ira pas au Mali. Il n'ira pas en Centrafrique. Peut-être qu'il ira au Tchad, ou bien qu'il ira comment, en Turquie. Mais dans ces cinq pays-là, côté géopolitique me changer, Sassou n'ira pas là-bas. L'étau est en train de se resserrer contre et sur lui. Alors que les Nordistes donnent les armes, si réellement ils veulent qu'on fasse tomber Sassou, c'est maintenant, au lieu de faire semblant, ah oui, Sassou va nous mettre dans la merde. Et oui, ce ne sera pas seulement les Mbochis, ce sera maintenant l'avenir des Nordistes, ce n'est pas seulement les Mbochis qui sera maintenant posé. Parce que depuis 50 ans, vous avez des généraux, vous avez tout, vous le laissez faire, il est en train de vendre chez nous. Vous ne dites rien. Changer de discours maintenant, parce qu'en face, on a essayé d'être des saints, on a essayé de venir aussi en tant qu'évangéliste prêcher la bonne parole. Non, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas, ils ne veulent pas bouger. Alors, il faut qu'on aille les chercher. Alors, ici, je veux profiter, comme l'indépendance, ce n'est pas nous, nous n'avons rien à gagner. Alors, Bayaya Babeto, Mokazona qui l'arrive, Mokazona qui compte, Mokazona aussi dans France, Bayaya Babeto, pour une fois, tu vois qu'à Neno, Bambokadia, je ne sais pas, au lieu d'attendre seulement que tu sois seulement président de la République, excuse-moi de te tutoyer. Donc, Ngekela, Kela Kabeto, Tota Nouana, Tabonga, tu me fais Moutakourana. Mais ça ne se passe pas comme ça. Tu attends seulement le pouvoir. Tu veux seulement être président de la République, mais il faut se battre. Eh bien, monsieur Mbukadia, vous connaissez nous, Nabaya Tony Mudilo. Faites la paix pour une fois. Benokumatu. Dingano Mbongo. Dingano Mata. Il ne faut pas attendre qu'ils laissent le pouvoir. Ils ne laisseront pas le pouvoir. Parce que les Nordistes ne veulent pas déposer Sassou. Eh bien, on va aller chercher et Sassou et les Nordistes. On n'a pas le choix. Dingano Mbongo. Dingano Mata. Mais entendez-vous, on n'a pas le choix. Magata teka bata amateka, bagana teka baboua le beto, bagana teka nyonso, betke salike, betke vingila iki. Ils ne veulent pas dialoguer, ils ne veulent pas la conférence nationale. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et ils ne vendent pas chez eux là-bas, au nord. Non, chez nous. Moi, on n'a jamais vendu ne fût-ce qu'une parcelle là-bas. Naba village Nabango. Aucun président ne l'a fait. Et c'est toujours le même. Toujours cette ethnie-là, les Mbochis. Sous couvert des Nordistes. Parce qu'ils cautionnent. C'est pas possible qu'une armée n'arrive pas à déposer quelqu'un qui a 80 ans. Mais ça signifie quoi? Là-bas, il y a un petit capitaine de 35 ans qui est devenu chef de l'État. Chez nous, c'est à 35 ans, un capitaine, il danse mon pacho. Azobina Ndombolo, il va prendre les putes là-bas en République démocratique du Congo avec des passeports de service. Et pendant ce temps que les vrais Congolais n'ont pas de passeport, on donne là-bas. Pour se satisfaire là-bas. Donc, voilà les capitaines Yaboala. Ce qu'ils veulent, c'est coucher les hommes, coucher nos petits garçons. Il n'y a que ça. Au Burkina Faso, c'est un capitaine de 35 ans. Ici, on ne bouge pas. Boubia défile. Non, on défile. Comme si rien n'était. C'est comme si on ne vend pas nos terres. Et le chef de l'État qui vient faire une allocution, qui n'a même pas ce qu'on appelle excusez-moi, je suis en train de chercher le mot. Qui n'a même pas une compassion pour la population de Delizy. Pas de compassion. 63 ans d'indépendance, peuple rentable parce qu'on a de l'Isée, il y a un discours.
même pas un mot de compassion pour dire que je suis avec la population de Tbilissi. Passé ben, j'ai compris que ben un problème qu'on a aucune compassion. Donc ce qui se passe à Tbilissi, c'est comme si rien n'était quoi. Donc quelqu'un banyama Kekuna, donc il n'y a rien, aucune compassion. Et on va faire quoi? On va fêter le 15 août. Mais on pouvait annuler ce 15-là en compassion. On pouvait annuler comme on a annulé les années précédentes lorsqu'il y avait le Covid. En 2020, je pense que avec le Covid, on avait annulé le défilé de 15 août. Mais là, il y a un bâtiment qui a fait un deuil, n'a de l'Isée. Non, parce que défilé, comme si rien n'était. Mais il faut considérer ce qui se passe à Tbilissi. On peut considérer ça aussi comme naître face au Rwanda, comment on appelle ça, le Covid, puisqu'il y a eu beaucoup de morts là-bas. Aucun mot de compassion. Alors, mesdames et messieurs, il me reste 10 minutes. Si on regarde le bilan, vous parlez de l'indépendance. Est-ce que réellement nous sommes indépendants, mesdames et messieurs? 63 ans. Le chef de l'État est là dans les affaires depuis au moins 50 ans. On ne vote pas. Ici en France et ailleurs. Les Congolais de l'étranger n'ont pas le droit de voter 50 ans. Et là, nous sommes en train de fêter 63 ans, même si lui n'est pas là depuis 63 ans. Ça fait au moins 50 ans qu'il est là. On ne vote pas. On n'a pas le droit de voter. Si vous regardez, quel est le bilan? Nous avons perdu plusieurs cadres qui devraient libérer le Congo. Ou plutôt, au lieu de dire que nous avons perdu, ces cadres-là ont été assassinés. Aujourd'hui, la République est gérée par des médiocres, permettez. Tous les savants, toutes les têtes pensantes que nous avons à cette époque-là, qui pouvaient faire émerger le Congo, comme le disait le professeur Lissouba, qu'il voulait en faire une petite Suisse. Tous ces cadres ont été éliminés. Aujourd'hui, on se retrouve avec en tête une république, un chef d'État concrète d'idiot. Depuis la République démocratique du Congo, ce n'est pas moi qui le traite d'idiot, mais c'est un professeur. Ça veut tout dire. Je le dis et je le répète que les intellectuels au Congo ont cessé, ou plutôt arrêté de réfléchir. On rentre dans l'armée, pas pour être au service du peuple, mais pour faire carrière. Il n'y a pas de boulot, le chemin de fer congolais n'existe plus, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Alors, mesdames et messieurs, 63 ans, qu'est-ce que vous appelez l'indépendance? La République populaire, ou bien la République du Congo. Nous ne sommes pas libres. Vous n'êtes pas libre. Nous encore, nous sommes libres ici, en Europe. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes chaque fois à l'écoute. Vous êtes menacé. Vous êtes torturé. Mesdames et messieurs, si on ne se lève pas, si on ne dégage pas sa soupe, nous allons laisser nos enfants dans la merde. Parce que nos enfants ne connaissent pas Sassou, nous on le connaît. Parce que nos parents nous ont parlé de Sassou et nous avons vu Sassou arriver au pouvoir jusqu'à maintenant. Nous le connaissons comme nos poches. Bézabiandi. Fobetkatuliandi. Il faut Katula Sassou. Comme il n'aime pas dialoguer,
Le dialogue, il n'en veut pas. La conférence, il n'en veut pas. Alors, mesdames et messieurs, il est venu par les armes, il faut qu'il dégage, c'est par les armes. C'est un discours que je n'avais pas. Mais j'avais dit qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, je vais durcir aussi mon discours. Parce qu'en face, il n'y a pas de saints. Ce sont des gens qui vont aussi à l'église comme moi dimanche, qui lisent la même Bible que vous et moi. Mais les actes qu'ils posent n'ont rien à voir des chrétiens. Tiens, pourquoi moi je vais me gêner? Moi aussi, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un curé. Alors, nous ferons la même chose comme eux. Alors, la consigne, mesdames et messieurs, avec nos terres, si vous voyez un Rwandais qui veut négocier, qui veut acheter chez nous, ne vendez pas nos terres à un Rwandais. Même si vous voyez un Rwandais ou une Rwandaise qui dit « Oui, j'ai envie de louer », ne faites pas louer à un Rwandais ou bien une Rwandaise. Ne faites pas louer. De loin ou de près. Ces possibilités, qu'elle aussi, il y a qu'on empoisonne un, qu'on a choisi. Il n'y a que comme ça que nous pouvons sauver nos enfants et nos petits-enfants, parce que nous avons été trahis par nos grands frères. Ce sont eux qui nous ont laissé cette merde-là. Et maintenant, lorsqu'on leur demande l'argent, donner l'argent pour financer la révolution, non, ils se taisent. Et là, ils ouvrent même pas leur gueule, là. Ils parlent pas. On est en train de vendre nos terres. Et ils se taisent. Ils ne parlent pas. Qui ne dit mot, consent. Qui ne pipe mot, consent. Donc, ils sont conscients. Et ils cautionnent qu'on vende nos terres. Mais le poule n'est pas à vendre. Pas seulement le poule. Toute la région du sud, Niari, Bouenza, il y a quelque côté que V. Personne ne va nous forcer à vendre. Si vous voulez vendre là-bas au nord, vous vendez au nord. Namambi a betkete lama. Bilbo le bakao, zama kamama, yoza, li kamama belé. Mais li kamama belé, to okufanango, puis c'est zama belé na biso. Bino pe bozana ma belé na bino, biso to te kaka bino ti. Mais bozo weli sa nini na ma belé na biso. Et inkisi ponanine. Ata binomoko, est-ce que tu as la droit au lobo ou bien tu le bâti? Bazote que pas na biso et pas ba rwandais. Ce que bazote que pas na biso et pas ba kinois, problème est athée. Bazote que pas ba zangolais, problème est athée. Tu as moto moko, mais pas les rwandais. On n'en veut pas chez nous, dans la région de Poule. On n'en veut pas dans le sud. Ramenez-les au nord. Pas chez nous. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, je voulais un peu m'appuyer sur cette indépendance qui n'est pas la nôtre. 63 ans, nous ne sommes pas indépendants. Nous ne sommes pas libres. Parce que si nous étions libres, chaque Congolais allait avoir sa carte d'identité. Chaque Congolais allait avoir son passeport. Mais tous les Congolais n'ont pas de carte d'identité. Je ne dis pas tous les Congolais. Certains Congolais n'ont pas de carte d'identité. Il y a des étrangers qui ont nos cartes d'identité. Certains Congolais n'ont pas de passeport. Il y a des étrangers qui ont nos passeports. Allez-y comprendre. Les 63 ans d'indépendance, c'est une merde. Il n'y a rien. Mesdames et messieurs, je reviendrai demain. Parce qu'il y a le général Kepeke qui est monté au créneau, qui a fait des audios, qui m'a interpellé. Je reviendrai demain et je vais travailler sur les audios du général Kitega. Voilà, donc je reviendrai demain parce que, mesdames et messieurs, pardon, ce qui se passe au Congo était inadmissible. Inadmissible. On ne peut pas fermer les yeux. Je vous ai dit qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas négocier, mesdames et messieurs. La dignité.
Là, nous sommes en train de perdre notre dignité. Et non seulement nous ne sommes plus dignes, parce que nous sommes derrière eux. Dès qu'ils font une fête, dès que nous envoient un petit billet, nous sommes là. Non seulement nous sommes en train de perdre la dignité, mais nous sommes en train de perdre nos terres. Les terres que nos ancêtres nous ont laissées. Mabele wana, ezanzambe motapesa biso yango. Les Rwandais ont aussi leurs terres que Dieu leur a données. Tous les pays, tous les États, Dieu leur a donné leurs terres. Nous, on n'a jamais cherché à prendre les terres rwandaises. Le Congolais ne convoitise jamais les terres des autres. Mabela Batumususu, Congolais ata la kangoti, awole la kangoti. Même les batiké bato balubako bakil bakolo mabele batika kama mabele boyete bawole la kango pété bawole la kapiki mokonze té ils sont pacifistes pour bayebe kama mabele mokonze. Mais si on perd nos terres, nous avons déjà perdu nos quartiers où nous sommes nés. Vous avez tout acheté. Vous avez acheté Bakongo, vous avez acheté Makolekele, vous avez acheté Mungali. Nous nous sommes repliés dans nos villages. Et vous voulez encore vendre nos terres. Qu'est-ce que vous voulez? Finalement, biso tokozala wapi? Tokozala na Bakongo te, bosombe Bakongo parce que bokoma na mbonge belé. Bozala posa te tozala na makelekele. Bozala posa te tozala na mungali. Il faut tozala na sima. Boti biso na lopoule. Na lopoule kuna pe boti mwana na bino kuna au député maire. La fille du chef de l'État, Namboka Nabiso. Ok, et là vous voulez encore vendre nos terres. Vous allez nous pousser à bout. Pona makama mabele Nabiso. Vous serez obligé de nous tuer tous. Fobo Bama Biso. Oui, mais Fobo ne vous fera bête. Parce que Trébi qui est en vain. Il faut qu'on ait Honda. C'est ce que vous cherchez finalement. Parce que tu fais un abisso qui m'y a, tu fais un abisso tranquille, n'a pas beaucoup d'abisso. Pourquoi venez nous chercher? Et demain, Sintoumi réplique pour dire que non, le poule n'est pas vendre. Ah oui, Sintoumi est terroriste. Allez, on va lui chercher la guerre. C'est ce prétexte-là que vous êtes en train de chercher. Vous voulez allumer le feu. Mesdames et messieurs, j'ai fini. Le dernier mot, la conclusion. Il faut que Katouba Moshi ait un pouvoir. Et il ne faut pas compter sur les Nordistes, mesdames et messieurs. Je vous ai bien expliqué que les Nordistes ne veulent pas se débarrasser de Sassou. Sinon, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils préfèrent, même si ce n'est pas Sassou, mais pas quand il y a un pouvoir, il y a un Nordiste. Sinon, il y a longtemps, ils en ont les moyens. Si réellement, bah, qu'il n'a rancune, n'a Sassou, parce que Sassou Katoulaka, yombe na pouvoir, parce que Sassou, dit-on, je dis bien, Yann Moutou Koufouaka Pieronga, Yann Moutou Koufouakoua Ikoko, quoi Yann Moutou Koufouaka, l'autre là, comment on l'appelle, Xavier Katali, Yann Moutou Mekanga, chef Aba ou Mokoko. Je ne vois pas pourquoi Bakana Bakabundu qui veut pas armer Bassudiste. Et en plus, il y a aussi les Katangais qui sont là. Bato Likumu pe bazana kati. Lalikwala pe bazana kati. Mais bon, pesa babundu ki awa tolongo la tata wana na bambushi na bakongo wana bazana kati. On dégage sa sou, on dégage sa clique. Et on détruit en même temps le PCT. Et nous repartons encore dans une république comme c'était avant. Oui, Zalaki. La république avait commencé Youlou. Avec Opango. On repart sur de nouvelles bases. Ben, Nordi se sont levés. Ben, Kouzabiaou.
Voilà, je reviendrai demain. Merci bien, mesdames et messieurs. Moi, il est l'heure, je vais aller manger Guy Baguette. Mon petit, je sais que tu as aussi approuvé, c'est... Voilà, je te souhaite aussi mes condoléances. Donc, voilà, mon mokwayao. Ah, ben, nous sommes habitués, donc, nous allons vendre la bête. Et puis, bon, bête vendre la ngolo. Voilà, sinon, c'est la vie, ainsi va la vie. Voilà, on ne vit pas sans se dire adieu. Bon, mesdames et messieurs, il est l'heure, je boucle, je reviendrai demain. D'ici là, je vous dis, faites attention aux mochis, faites attention aux nordistes, ils sont en train de nous endormir. Ils sont de connivence avec les mochis. Le bloc nord, il est là, c'est-à-dire que le pouvoir au nord, tout sauf les sudistes. Guy Baguette, vraiment, mes condoléances, hein, mon petit. Allez, courage.